を待ってろ。Ouais, il est enfin là. Crysis 3. Donc salut tout le monde, c'est Wake. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'aurez compris, sur la vidéo découverte de Crysis 3. On va faire start directement. Alors aucune sauvegarde détectée. Alors on va choisir un périphérique de stockage, boum. Donc ouais, Crysis 3 qui sort le 21 février, nous sommes aujourd'hui le 17 février. Je vous fais un petit peu la vidéo en avance. Je sais pas, je vous la posterai quand, peut-être le jour même ou je sais pas. Là, je vais mettre comme ça. Ajuster ça, je le mets toujours au plus petit, vous comprendrez pourquoi, enfin je vous explique directement parce que j'aime bien avoir les radars et tout tout près de mon écran parce que j'ai un grand écran quand même. J'ai baissé le son là. Il m'explose les oreilles. En général ils ont des putains de musique Crysis. Ouais celle-là elle est vraiment pas mal aussi. J'entends ça. Je vais voir si je peux mettre les sous-titres, voilà, sous-titres, ok. Il y a quoi d'autre sinon, luminosité, ok, on a déjà mis, zone de sûreté, ok, on a sécurité, on a déjà mis. Visuel, qu'est-ce qu'on peut mettre? Halo lumineux. Oui, je vais le laisser. Voilà, campagne, on va faire la campagne, nouvelle campagne. On va mettre en mode de... comme mode super soldat, putain, ça c'est pas pour moi ça. On va mettre en mode soldat normal. Le didacticiel, est-ce qu'on fait le didacticiel? Non, je pense que vous avez envie de voir directement par la suite, on va faire non. Il y a 20. Alors bon, je vous laisse l'intro. Les Sefs ont envahi notre monde. Nous les avons arrêtés. Je les ai arrêtés. Mais le sel a profité de l'occasion pour combler la vacance du pouvoir. Il a rapidement gagné en taille et en influence, jusqu'à exercer une domination totale. Le sel nous a tous pris au dépourvu. Moi y compris. On m'appelle prophète. Je suis le seul à savoir ce qui nous attend. Il existe une menace bien plus vaste que le sel. Le plus puissant des aliens, l'Alpha Sef, est toujours vivant. Il m'a montré un aperçu du futur. Il sait bien ce qui m'anime, ce en quoi je crois. Être un bon soldat ne se réduit qu'à une chose, à une seule et unique question. Qu'est-ce que vous seriez prêt à sacrifier? Souvenez-vous de moi. Quand on m'a confié la nano-combinaison, j'ai sacrifié l'homme que j'étais alors pour devenir prophète, une machine de guerre. Quand ma propre chair m'a trahi, je l'ai remplacée comme une vulgaire pièce de rechange. La victoire a un prix. Chaque fois, le prix est un peu plus élevé. J'ai vu ce que l'avenir nous réserve. Et qu'il ne restait rien de moi pour l'empêcher. Quand la machine de guerre ultime vous fait défaut, qu'est-ce qu'il vous reste? Est-ce qu'il me reste? Ce putain de prisonnier, c'est pas un enfant de cœur. Terrier, voici les chasseurs 3, on est
Ok, donc ça a l'air de pas parler, là je vais continuer à parler. Donc ouais, vous avez vu, putain, cette intro, un truc de taré mental, j'ai surkiffé. Alors comme ça, maintenir X pour accéder à la partie, bah écoutez, je vais le faire. Voilà, donc ouais, qu'est-ce que je disais, moi j'adore les Crysis. J'ai kiffé, j'ai fait le pro... Ah putain, j'ai raté quelque chose. J'aurais dû regarder. Bon, j'ai fait les deux premiers Crysis que j'ai adoré. Ok, bon, déjà, là, il y a un point que j'aime pas. C'est pas fluide, bordel de merde. C'est pas fluide. Ouais, bon, faudra que je le fasse quand même sur... Bon, en général, c'est toujours comme ça sur Xbox, hein, les Crysis. Faudra que je le fasse sur PC. Parce que là, clairement, c'est pas fluide. Ça se voit directement que si on n'est pas en... Il n'y a pas un grand nombre d'FPS, ça se voit direct. Donc, moi, j'ai fait les deux premiers Crysis sur PC, bien sûr. J'avais le 2 aussi sur Xbox. J'ai beaucoup avancé, mais ça m'a saoulé au bout d'un moment. Donc voilà, le but moi c'était de les faire sur PC. D'ailleurs, je vais faire celui-là sur PC. Y a pas de souci. Parce que ça vaut beaucoup plus sur PC. Déjà, les graphismes sont magnifiquement bien réalisés. Et sur PC, bien sûr. Sur Xbox, ils sont bien foutus, on est d'accord. Mais bon, là, il fait un peu moche et tout. On verra plus tard. Mais quand même, ils font quand même des efforts pour bien adapter ça sur Xbox. Mais ce qui est chiant, c'est que ça saccade. C'est normal parce que la Xbox n'est pas capable de faire. Comme. Ah oui, on peut toujours prendre les objets et les jeter. Ça m'énerve parce que la Xbox n'est pas. N'est pas capable de faire tourner un jeu comme sur PC. D'ailleurs, c'est un peu normal hein, vu les composants de la Xbox. C'est pas fameux non plus. Donc, bah écoutez. Ouais, ça saccade un petit peu, mais enfin, c'est pas vraiment des saccades, c'est juste le framerate est pas trop. Il est souffreteux, comme on dit. Il est pas trop bien adapté. Mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être que moi, peut-être qu'il y en a d'autres qui verront même pas la fluidité ou pas, mais c'est vrai que moi, je suis assez pointu avec ça. J'aime pas quand un jeu n'est pas fluide. Par exemple, j'étais à 4 sur PC, sur console, j'ai horreur de jeu sur console, je déteste. Pourquoi? Parce qu'il tourne pas très très bien. Alors que sur PC, c'est du lourd. Bon, alors. Là, il faut mettre le silencieux. Comment je mets déjà? Voilà, je sais même plus, je crois que c'est ça, ouais, voilà. Allez, ouvre-moi cette porte. On va débouler par la porte de devant. Le seul truc qu'on a, c'est l'effet de surprise. D'accord. Personne serait assez fou pour tenter un coup. Ok, donc je sais qu'il y a un multi aussi, je vous ferai peut-être une vidéo du multi. D'ailleurs, je pense que je la ferai, ouais. Parce que j'adore le mode Hunter. Activez le mode camouflage RB. On va se la jouer en douceur. Toujours les modes camouflage et tout. Je vais arriver derrière lui, je vais lui faire un petit coup. Hop, voilà. Un petit finish, ça fait plaisir. J'ai ramassé son arme. Non, c'est pas ça. Je veux son arme, voilà. Est-ce qu'elle a le silencieux? Attends. Merde, comment on fait déjà? Ils vont me PV sur... Ouais, elle a le silencieux. Putain, voilà, c'est bon. Allez. On y va. On y va. Je vais me faire spot, là. Je vais attendre qu'elle remonte un petit peu, bon... Ma nano combinaison. D'ailleurs, ça j'ai kiffé, c'est un gros. Putain, je vais couper le son de Facebook parce que ça me saoule là. Voilà. Donc, ouais, ça c'est quelque chose que j'adore moi. Est-ce que je mets un headshot d'enfoiré? Hop là. C'est pas grave, je suis spot, mais c'est pas grave. Allez, lui je l'ai eu. Ouais, c'est quelque chose que je kiffe moi, la nano combinaison. Tu peux tout faire avec, tu te sens super puissant. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que je rêvais d'un truc comme ça, enfin, que je rêvais, on va pas dire que je rêvais de ça, mais c'est vrai que dans les films, tu vois toujours des trucs, des mecs super, super stoïques, qui peuvent tout faire et tout. Et ça fait plaisir d'en trouver ça dans Crysis. C'est vrai qu'on se sent quand même pas mal puissant, hein. Surtout dans le 1, je sais pas, dans le 2 et dans le... Enfin, je sais pas, dans le 3, je l'ai pas encore fait. Je sais que dans le 2, c'était pas vraiment ça, parce qu'on pouvait, enfin, avec une seule touche, t'appuies sur se mettre en camouflage, l'autre touche, c'est pour ça. Ah, c'est mon pote, lui! Putain, j'ai foulé comme un porc. Alors que c'est mon pote. Mais sur PC, en fait, t'avais une roulette qui te permet de choisir la puissance aussi. Tu pouvais mettre des grosses droites, tu pouvais casser des baraques. Ouais, ça c'était vraiment bien. La destruction du décor, c'était un truc de dingue sur PC. Et on n'arrête plus sur Facebook, on arrête pas de me flouder, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup déçu dans le 2. C'est que c'est beaucoup plus scripté que Crysis 1. Pour moi, le meilleur, ça reste Crysis 1 pour l'instant. Même si j'ai beaucoup aimé le 2, mais bon, j'ai été comme... Oh putain, l'arc, ça fait plaisir. J'ai été beaucoup déçu du 2, parce qu'en fait, il est plus scripté que le 1. Dans le 1, je vais le laisser parler d'ailleurs. D'accord. Pour ce qui est des têtes interchangeables, elles peuvent accueillir des charges explosives.
Et surtout, tu restes camouflé. Alors, toujours sceptique? Ok, j'aime bien l'arc. Bon, tirons-nous d'ici. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, Crysis 2 était beaucoup plus scripté que le 1. Donc dans le 1, on pouvait se balader dans la forêt. C'était un truc de fou, d'ailleurs, que je vous conseille à tous, hein, si vous avez un bon PC. Je crois qu'il est sorti aussi sur Xbox, sur Xbox Live et tout. Je vous le conseille, c'est juste un truc de dingue. Il est tellement bon, ce jeu. Tu peux te balader partout, le monde est gigantesque et tout. C'est du loin. Voilà. Tranquille, j'ouvre la porte, il se demande pas qui c'est qui ouvre la porte et tout. Je vais le cuter derrière lui. Hop là, il est mort. Voilà, l'arc, attends, je vais essayer sur lui. Faut pas que je le rate aussi. Oh, c'est mortel. C'est trop bon l'arc, attends. Je vais reprendre mon énergie. Hop là, on est reparti. Alors, le but c'est d'aller là-bas. Hop là, headshot dans ta face. Ah, je me suis fait spot. Ouais, je suis spot. Je vais reprendre un petit peu mon énergie, après on y va. Allez, go. J'ai que 8 munitions de... d'arc. C'est ça que j'aime bien aussi dans le Crysis, c'est que tu peux te la jouer bourrin ou tu peux te la jouer... Ah merde, je l'ai raté. Ah, y'en a ici. Ah, je suis défoncé. Bon. Allez, toi, je te défonce. Là, je suis vraiment spotted, c'est mort. Oula. Wow. Allez, tiens. En plus, tu peux récupérer tes flèches, c'est cool ça. C'est qui qui tire dessus là? Là, il y en a ici. Lui, il est mort. Là, je vais me mettre en mode armure. Attends, il est où ce sac là? Il y en a qui arrête pas de me tirer dessus là. Je l'entends par ici, c'est bizarre. Ah, il est là. Hop là, je vais récupérer ma flèche quand même. Putain, il est pas mal large, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, oui, je sais que c'est pas comme ça que je devrais jouer. C'est vrai que me concentrer et parler en même temps, dire, expliquer un petit peu ce que je veux, c'est pas facile. Je crois que j'ai l'impression qu'il est à l'intérieur là. Il est au-dessus peut-être là. Ah d'accord, ok, c'est bon. Je vois. S'il est bugué cet enfoiré. Eh tiens, non. Eh tiens, ok, c'est bon. C'est bon, je l'ai eu. Alors. Est-ce que c'est par là? Je crois que c'est par ici, ouais. Faut aller là-bas. Allez, bah écoutez, pour l'instant, moi je trouve ça sympa. Ce petit Crysis. Tu vas te calmer, toi? Tu vas te calmer ou pas? Le mec, il m'a foulé. Attends. Ouais, bah voilà, j'ai fait le ménage, là. On peut y aller, non. D'accord, c'est encore au-dessus, c'est par ici. Voilà. Ok, donc je pense que ce Crysis 3 est dans la lignée du 2. Ça je ramasse, on sait jamais. C'est dans la lignée du jeu, un petit peu scripté, un petit peu... Ouais voilà quoi, un petit peu Call of Duty, j'ai envie de vous dire. En même temps c'est normal, il y a beaucoup de jeux font ça maintenant. C'est ce qui vend le plus, c'est ce qui marche le plus. D'ailleurs c'est malheureux mais bon c'est comme ça. On peut rien y faire. Allez, tu peux ouvrir la porte là? Non, tu veux pas? Allez, ouvre. Ouvre-moi ça. Ok. Tout qui pète au fond. Ouais, je pense que je vais bien le dévorer ce Crysis. Je vous en ferai peut-être une vidéo quand je l'aurai pris sur PC. Peut-être une vidéo du multi sur PC, pourquoi pas, on verra. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Oh merde. Putain, c'est ça qui me fait chier quand je fais des vidéos, je vois pas ce qu'il y a marqué en fait. Je... Pirate à distance, d'accord, ok. C'est ça que je dois pirater? Non. Ah, c'est ce truc là, je crois. Non, c'est pas ça. Ah, c'est là-bas, voilà. Mais comment je fais là? Ah oui, d'accord, ok, je viens de comprendre, voilà. J'ai fail. C'est pas grave, je recommence. Ouais, en fait, c'est un système chelou. Hop là. Dès qu'il passe sur le petit rectangle, je dois appuyer sur X. Ok, très bien. Bordel, dans quoi on a foutu les pieds? Ah bah encore le truc collector.
doit bien y avoir 2 milliers de forces spéciales qui travaillent dans cette heure. Et les Ceph. Allez. Ça. Les aliens, c'est du passé. Quand est-ce que tu vas percuter? Allez, allez, allez. Ici, il y a que dalle. Ok, il y a que dalle aussi. Alors, on court. Moi, je le vois directement que c'est... Je sais pas comment vous dire, je vois directement que c'est que ça tourne pas à fond, ça tourne pas à 60 fps, c'est pas possible. Oh, dites-moi que c'est une blague. Allez, psycho, mais bon, c'est pas grave. Putain, mais qu'est-ce qui se passe sur Facebook là? Je me fais. Montre-toi. Tu m'as arraché à ma putain de combi, montre un peu ta gueule pour voir. Psycho, je sais pas ce qui se passe sur Facebook, les gens ils sont déchaînés. Oula, c'est quoi ce truc de fou? C'est son arme à lui ça. Je peux pas la prendre. Je te jure que je te retrouverai. Qu'est-ce qu'il veut? Putain, j'ai pas vu. Quand il te charcute, t'es encore conscient, tu sais? Oui, d'accord. Il y en a pas mal qui ont clamsé. Le cœur a pas encaissé le choc. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire, là? À part t'écouter. Oh, et puis merde. Allez. Ah d'accord, en fait, il réfléchissait, ok. Bon allez, pète-moi ce truc, on bouge d'ici. Peut-être changer, tiens, je vais jouer avec ce truc. C'est bien ça. Putain, par contre, on commence sur une mauvaise mission, quoi. Il pleut et tout, il fait moche. Enfin, je vais aller voir un petit peu les décors et tout. Parce que c'est ça le gros du jeu, hein. C'est le CryEngine 3. Leur moteur graphique. Ok, d'accord, on est spot. Leur moteur graphique qui est. Je pense qu'il y a un des moteurs les plus connus, hein. Avec le Frostbite et tout. Avec le Unreal Engine aussi. Le CryEngine 3, mais bon, moi je pense que quand même pour avoir les meilleures sensations, faut être sur PC. On essaiera de faire ça sur PC pour avoir un bon avis. Si quand même je trouve que sur console, il s'en sort quand même très bien. Il y a des jeux qui, enfin les jeux les plus beaux, enfin soi-disant les jeux les plus beaux, qui font pas pareil que Crysis 2, qui était très beau aussi sur console. Voilà. Oula. Je me fais défoncer, je sais même pas d'où. Qu'est-ce qu'il est? C'est un hélico. Ah, ok, d'accord, c'est un hélico. Ok, je comprends. Alors, je vais rusher, vous savez quoi? Ça va être vite fait. Hop là, là il me voit pas. Voilà. Allez, gros rush. Ici, je défonce. Bourrinage. Oh, mais... L'homme le plus bourrin du monde. Putain, je m'entends même plus parler tellement c'est le bordel. Allez, ouvre-moi ce truc. Oh non, mais là, je pourrais pas, attendez. Hop là, si j'ai ouvert. Allez go. Ah putain. Oh mon dieu. Attends, je suis le plus gros bourrin du monde. Putain. Ah mais là je suis en mode Rambo là, c'est pas bon. T'es sûr de pouvoir t'en charger de ton côté? C'est pas bon tout ça. Bien alors. Sûr. J'ai pas besoin d'une foutue. Ici que dalle. Allez on avance, ça fait combien de temps vite fait, je vais vérifier. Ouais ça va, 19 minutes, on a le temps encore. Ok, je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur le solo, pourquoi pas, on verra, si ça vous plaît. Bon, tout vous. Ouais. On verra si ça vous plaît. Ouais. Ça, c'est quoi ce truc? Tout ça, c'est que pour saisir et pour les lancer. Allez, ouvre-moi cette porte. Continue d'avancer, on se retrouve plus loin. Ok? Bien sûr. Le viseur. On bouge. Ah, oui, d'accord, là, je dois analyser des trucs. Ok, il y a des mecs là-bas. Super, ça c'est classique. Il y en a un ici, il m'a pas vu. Je vais le défoncer. Yep. Voilà. Il y en a un autre au fond là-bas. Voilà. J'espère qu'il va pas me voir tranquillement, je vais courir un peu. Je sais que ça s'épuise plus vite quand on court. Je vais reprendre un petit peu mon énergie et hop, on y va. C'est quoi, je suis le rocher? Yep. Voilà. Ah, il m'a spot. Et voilà, je suis spoté, je crois. Ouais, c'est bon, je suis spot. C'est pas grave, allez. Il y en a ici, là. Calmez-vous. J'aurais dû peut-être changer la sensibilité parce qu'elle est vraiment hyper lente, là. Alors.
derrière. Je crois qu'ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus, ouais. C'est quoi, je vais disparaître. Hop, voilà. On ne me voit plus. Lui, je le cut dans le dos. D'accord, vive les bugs. Ça l'a tué avant, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ils sont en marche. Je vais me mettre en mode furtif. Pour essayer de... Ouais, d'accord, c'est mort. Je suis obligé de passer devant eux, là-bas. Je vais sortir l'arc, tu sais. Je l'ai plus. Ah, j'ai plus l'arc. Ok, d'accord. En fait, l'arc, c'est tu le gardes et tu peux pas le mettre en secondaire. Enfin, je sais pas. Parce que tout à l'heure, j'avais l'arc, quoi. J'attendais qu'ils alignent. Là, on peut y aller. Allez. Tranquille, tranquille, on se barre. C'est par ici. Tico, je passe à la zone suivante. Voilà, sinon, ça reste quand même bien foutu, putain. J'aime bien, moi. Ici, y'a rien à prendre, je suis sûr qu'il y a un truc. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est leur truc du sel là, je peux pas le péter ce truc là. Ah, voilà, il y avait un truc à prendre ici. C'est des trucs bonus, hein, ramasser tant de ça. Pour gagner un succès, enfin, je sais pas trop quoi. Hein. Hop là. Behind you. Ah, c'est par là-bas. Enfin, attends, je suis pas sûr si c'est par ici ou pas. Oh, c'était le chat que je lui ai mis à lui. Oh là 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 là. Mais non, tu m'as pas vu, c'est pas moi. C'est pas moi. Attendez, attendez, attendez. Je vais prendre mon énergie. Ah, je suis encore spot, ok. En fait, quand c'est jaune, regardez à côté du radar, le petit truc à droite. Quand c'est jaune, ça veut dire qu'ils sont pas sûrs. Et quand c'est rouge, c'est qu'ils sont vraiment sûrs. Là. Je suis vraiment spotted. Hop là. Oula, attends, je me fais électrocuter par je sais pas trop quoi. Waouh. Allez. Donc quand on met l'armure, on est plus lourd. Ça... C'est quoi son arme à lui là? Je la veux. Hop là. Waouh, waouh. Putain. Attends, je vais me mettre invisible, je vais la prendre. C'est quoi ce machin? Oh, c'est trop bien! Truc électrique. Allez. Waouh! Ok, c'est bon. Allez. J'y suis presque. Ouais, c'est bon. Ok, putain, elle est bien celle-là. Putain, je sais même plus si elle était dans Crysis 2 celle-là. Je sais qu'il y avait des armes aussi assez... des trucs comme ça quoi, des trucs laser et tout, mais je suis pas sûr qu'elle y était celle-là. C'est possible. C'est possible, je m'en rappelle plus. Non, ok, ça va pas s'ouvrir. En tout cas, c'est sûr que c'est par ici. Il doit y avoir une porte quelque part par ici. Là. Ouais, au pire, on peut passer par là, voilà. Ok, ok. Allez. Bon, écoutez, pour l'instant, moi j'aime bien. Je suis assez pris dedans. Tico, je suis passé. Allez, allez, allez. Voilà, putain. Oh, il y a une tourelle au fond. Je sais pas trop ce que c'est. Attends, je vais me mettre en mode invisible. Hop là, je sors. Si seulement je pouvais faire pareil. Alors, elle est derrière elle. Non. Non, 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 putain, elle tourne à 180. Saloperie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que je la pirate. Alors attends, je vais essayer de faire un truc. Comme ça, voilà. Pirater. Hop là. Oh non, j'ai failli deux fois. Oh, trois fois. Voilà. Ok, d'accord, allez, c'est bon, je recommence. Ah, c'est bien ce système de... C'est bien ce système de piratage, là. Alors, attends. Je vais me remettre invisible, parce que sinon on va me défoncer. Voilà. Pirater. Hop là. Attends, hop là, pour être sûr. Ouais. Ouais, voilà. Maintenant, elle est à moi, normalement. Ok. Ok, 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 super. Pirater, encore. Ça fait penser à... Il y a Bioshock aussi, qui avait un système de piratage. Bon, il était assez galère, hein, Bioshock. C'est le Bioshock. Il fallait mettre des tuyaux et tout. C'était un truc de fou. Moi, j'avais bien aimé. C'est mon pote, lui, je crois, normalement. Ouais. Allez.
Toujours la petite glissade qui fait plaisir. Toujours le petit saut. Enfin, le grand saut plutôt. Qui fait plaisir. Désolé si je m'entendais. Je suis enrhumé en fait. Voilà, c'est désolé si vous entendez que je suis enrhumé. Depuis quand ? C'est vrai qu'en ce moment. Je bosse toujours en équipe. Oui, tu bosses en équipe. Allez, ouvre-moi la porte, espèce de sac. Merci. J'irai nulle part tant que j'aurai pas eu de réponse. C'est quoi, c'est un ascenseur ce truc là ? Ouais. Je me rappelle. Ouais, ça doit être un ascenseur. La plupart c'est ça. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. Bon, après c'est qu'une mission en intérieur. Je sais pas, on ne voit pas le, bien sûr, on voit pas le dehors. Jamais. Tu te retrouves à bosser toute ta vie pour éponger tes dettes. Oui, bien sûr. On va écouter pas ce qu'il dit. Choix. Ce, enfin, si, ce psycho là. Je peux mettre de droite lui. Putain, il a un écoute, crâne trop rond. Laisse-moi t'expliquer ce que le sel a manigancé. Petit tatouage derrière, absence. Ça fait plaisir. Je pense que tu y verras plus clair. Ah, ça lui fait rien lui, d'accord. Allez, cinématique. Bienvenue à New York, version 2.0. Yeah, putain. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ouais, c'est vraiment la fin du monde là, c'est le bordel. New York tout défoncé. Je détecte une signature énergétique. Putain, en plus ça c'est la même musique que dans Crysis 2 quand on nous montrait New York. Ok, bah putain, là les choses sérieuses vont commencer. Je vais me faire un plaisir de bien tâter tout ça. Parce que New York dévasté, ça fait plaisir. Hein, on a l'habitude de voir New York tout propre, tout beau gosse. Phase finale initialisée. Bien reçu, Roméo. Ça va être bien dégueu. Vous avez nettoyé le périmètre. Le dôme de la liberté est conçu pour contenir une menace safe. Vous avez l'avantage. Ok, donc là on reçoit les ordres du général. Je sais pas trop quoi. Vous avez 30 minutes devant vous. Allez, on a 30 minutes. La zone surlignée est toujours l'objectif. L'activité au sol est minimale, mais les tours sont à 100% opérationnelles. Ok. Soyez prudent, et surtout pas de risque inutile, Roméo. D'accord, donc t'arrêtes de parler, s'il te plaît, parce que ça fait quand même 22 minutes, enfin 29 minutes là que tu parles. Je vais faire passer le truc, parce que ça sert plus à rien. Vu que j'ai 30 minutes pour le faire. Voilà, alors. Elle, c'est clair. C'est elle qui commande à New York. Elle n'est pas de l'armée, mais elle est du genre à imposer le respect. Tu respectes la hiérarchie, toi ? Ah, en fait, elle, c'est différent. D'accord, elle, c'est différent. Donc t'en kiffes sur elle, c'est ça ? Merde, elle m'a fait jurer de fermer ma gueule. Ouais, bon. Techniquement, j'ai trop rien dit compromettant. J'aime bien sa gueule, j'ai bien foutu, putain. Putain, faut voir, attends, j'espère qu'il va s'arrêter là. Non, il veut pas. Bah, allez, c'est bon, cours. Il est grave bien fait, sérieux, j'ai kiffé. Il est bien foutu. Mate-moi ça, de la nanotech, tout droit sorti des labos d'écorchage. Eh, sérieux, il est grave bien foutu, hein. Il est grave bien fait. Ah, je kiffe. Alors. Mais alors j'ai maintenu. Enfin ils ont où les kits de je sais pas trop quoi là. Ici, ouais voilà. Ok. Ah, c'est qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau je crois ça. Wow, c'est quoi tout ce truc de. C'est quoi ce machin? Elle est déverrouillée, je vais faire ça. C'est quoi ça? D'accord, tu peux optimiser ton truc maintenant. Attends, c'est quoi ce truc là? Temps de course, ok. Tiens, je vais mettre ce truc. Voilà, et ça. Ah, ça, je peux plus, d'accord. Ok, maintenant, on a des points de compétences. Très bien. On a des points de compétences, donc là, je peux aller plus vite. Et c'est quoi l'autre truc que j'ai pris? Enfin, j'ai plus de vie, je crois. Ok. Mais maintenant, ça fait comme dans tous les jeux, quoi. Il y a des petits points de compétences, ça fait plaisir. Allez, ouvre-moi cette porte. Yeah, la jungle, baby! Oh putain, ça fait plaisir. Oh, c'est joli, sérieux. C'est beau, mais il y a du clipping. C'est pas grave. Putain, la végétation. C'est bien foutu, la végétation, j'aime bien.
savez que ce truc là c'est le truc le plus dur à faire dans un jeu vidéo, c'est la végétation. Enfin, je m'y connais pas, mais d'après les dires, c'est la végétation ce qui est le plus dur, donc pour faire bouger, pour faire plein de petites herbes. Et je trouve que le CryEngine s'en sert, enfin ouais, les développeurs de Crysis, Crytek se le maîtrisent bien. Attends, est-ce que je peux le tuer? À mon avis, je peux le tuer, mais on va essayer quand même. Oui, je suis un... Mais qu'est-ce que tu vas? Je vais pas te tuer. Ah, voilà, dégage. Je vais pas le dépecer. Non, dommage, on est pas dans Far Cry. Bon alors... Putain, mais c'est joli, sérieux, hein. Même sur console, c'est joli, là. C'est joli, c'est joli, j'aime bien. Petit effet de soleil de ouf. Petit effet de lance-flare, comme on dit. Ah ouais, je connais les termes de... D'accord. Nanovision. Je vais tirer dessus, je les vois, moi, les mines. What the fuck? J'ai failli crever. Attends, y'en a d'autres, y'en a d'autres, attends. Attends, y'en a d'autres, y'en a d'autres! Ok, ça lui a rien fait. C'est pas grave. Allez. Je l'aime bien. Oula, c'est quoi ce méca là? C'est quoi ce méca là? J'aimerais bien qu'on pouvoir le conduire. C'est fini. Putain, mais c'est grave beau! Eh, sérieux, je kiffe l'ambiance là. Regardez, genre New York, tout dévasté et tout, il y a de la végétation qui bouge, c'est normal, hein, tout, en dessous des routes, il y a de la terre, les gens, enfin, je crois. Donc ça pousse. Ouais, c'est beau, putain, sérieux, c'est grave beau. Et là, j'ai envie de voir sur PC ce qu'il donne. Parce que là, c'est magnifique, sérieux. Allez. Ouvre-moi cette porte. Alors, c'est moi qui dois l'ouvrir. Allez. Trop facile. Trop facile, le mec. Allez. Eh mais lui là, psycho, putain, il a un chara design, ça, je kiffe. Il est super bien fait. Il me fait trop penser à des gars dans des films et tout. Il est hyper réaliste, c'est ça que j'aime bien. Là, la marque de la mort. Si on se fait repérer, c'est foutu. D'accord, la marque de la mort. Waouh. J'aimerais bien avoir un sniper lui, il a un putain de sniper en forêt. Je sais pas ce que c'était, mais c'est mort. La 34e rue est encore loin. Quelques kilomètres. Faut contourner la zone d'interdiction. Ok. Ouais, bon, de loin, c'est pas très joli, mais c'est normal, encore une fois, on est sur Xbox, les gars, on va pas... Non. Avec ses flous au fond et tout. Le sel rapplique. Pas le temps de contourner. Bon. Vu le rayon d'action et la cadence de tir, ça peut gérer. On peut couper direct à travers. D'accord, donc lui veut rusher directement. Vous avez entendu? Je vous prends tous à la fois, connard. Mais tu débloques? Ces armes vont te tailler en pièces. Ah, t'as compris maintenant? On m'a dépouillé de ma combi. Je suis qu'un humain. Humain? Tu sais tout ce que j'ai sacrifié pour arrêter les Sèvres. Je récupère ça comment? Oh merde! Il est devenu fou ce mec là. Bref, tu comptes faire quoi? De l'appui. Bon, moi je désigne les cibles. Et je te rencarde. Toi tu te charges du reste. D'accord, je me charge du reste. Allez. Ça ressemble pas au psycho que je connais. J'ai changé. Allez, psycho. Ok, donc là on se la joue solitaire. Ok, voilà comment on va procéder. Alors, j'annonce les coordonnées. Vite fait ici. Par exemple, secteur 1, delta 0. C'est des caches d'armes potentielles. Ah, mais sérieux, c'est joli. Putain. Waouh, c'est vrai, j'ai oublié, ça bombarde. Ça bombarde. Merde, pousse-toi. Je rentre là-dedans. Secteur 1, delta 3, ça se. C'est vrai que ça bombarde. Attends, il faut que je. Là, secteur 1, delta 0. J'y vais comme ça, on me voit pas. Allez, bombarde, maintenant il tire, là je suis obligé de courir. Voilà.
moulin profile pas et te fait pas griller depuis la tour. Waouh, c'est le bordel. Rien n'en vu. Faut que j'aille où en fait? Pourquoi il y a des points ici là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ces points? Je sais pas très bien. J'aurais dû mieux lire. Mieux voir ce qui est écrit. Bon, c'est pas grave alors. Attends. Allez, gros rush. Allez, moi je suis un warrior, je crève pas, mode armure, bim. Le mec il court. Ouah. Il se fait bourrider, mais il court quand même. Allez. Je crois que c'est mort. Ouais, je crois que c'est mort aussi. Hein. Waouh. Putain. Bon, allez, c'est le bordel. Je sais pas ce qu'il faut faire. Oh, je passe ma vie à courir, moi. Je me fais brûler par des mortiers ou je sais pas trop ce que c'est. Là, je vais me mettre en mode, voilà, en mode camouflage. Oui, il faut que j'approche à couvert, mon gars, mais j'ai pas assez d'énergie après. Ça dure pas 6000 ans, mon énergie, mon gars. Pour rester invisible, regarde, je cours. Juste après le bus, là, ça va s'arrêter. Ouais, c'est connerie, voilà. Bon. Allez, run. Allez, c'est bon. Je me mets d'ici, là. Putain, mais en tout cas, c'est... On peut pas dire que c'est pas... Je suis bloqué, d'accord. On peut pas dire que c'est pas... Putain, je suis bloqué, sérieux, tu déconnes? Non, c'est pas vrai. Ah, c'est bon. On peut pas dire que c'est pas... Que c'est moche, je veux dire. Ça reste joli. Oh, putain, c'est bien, ce truc. Oh, c'est trop classe, ce truc-là. C'est une arme extraterrestre. On va niquer leur truc, là. Voilà. Waouh. Bon, c'est du pourbourinage. Je rush, c'est pas grave, allez. Hop, je veux pas exploser. Non. J'aime trop faire le Rambo comme ça. Ouais, putain. Je suis mort. Bon, c'est quoi, on va s'arrêter là. Ça fait combien, 38 minutes, on va s'arrêter. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo découverte sur Crysis 3. Bon, désolé de mon level assez pourri, mais bon. C'est un peu normal, je découvre, et puis en même temps parler, jouer en même temps, et suivre toutes les instructions et tout le bordel, c'est assez difficile. Il y en a qui croient que c'est comme ça, c'est facile et tout, ça va venir tout seul, bah non. Non, les mecs. Et puis, bah, ouais, voilà, je vais en faire d'autres sur Crysis, c'est pas de souci. En tout cas, sur le multi, je pense que je vais en faire. Voilà, je vous dis ciao, et puis à une prochaine, hein, on se fait bien exploser par des mortiers, ça fait plaisir. Voilà, les